rahman Assalamu alaikum, assalamu alaikum à tout le monde Assalamu alaikum, assalamu alaikum Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs Bienvenue sur la page de visionnaire, votre page préférée Bienvenue mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé une excellente journée de travail. Alors, vous connaissez déjà la chanson, vous connaissez déjà la musique. Dès que vous vous connectez, vous partagez au maximum la vidéo et nous allons avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Papi Camara, comment allez-vous, mon cher? Jules de Rose Diallo, j'espère que vous allez bien, mon cher frère. Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez le live et taguez-moi le colonel Mamadou Dumbuya. Nous allons parler de son discours. Nous allons décortiquer son discours d'ouverture de cette assise nationale. Virgile Van balde j'espère que vous allez bien. Tchernon Samba Diallo. Alpha Omar Kouy Diallo. Comment allez-vous Daouda Tunkara. Il dit « Bonsoir, mon grand frère. Comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Appelez tout le monde. Dites que M. Kanté est encore en direct. Aïcha Zagor, comment, comment vas-tu J'espère que tu vas bien. Mamadou Diallo, partagez le live. Nous allons attendre juste un peu avant de commencer à décortiquer à framponner si euh, nécessité venait à se faire sentir. » Voilà. Mohamed euh, Sajaliou Dramé. Bonsoir, mon grand frère Kanté. J'espère que vous allez bien. Likez la vidéo, mettez des cœurs, euh, voilà, mettez des étoiles, évidemment, pour soutenir la page. DH Vision Channel. Voilà des gens qui, euh, depuis le début, continuent toujours. Euh, de partager le live et d'enregistrer effectivement nos vidéos sur YouTube pour ceux qui n'ont pas naturellement des comptes Facebook. Mariam Bari, j'espère que tu vas bien, ma chérie. Voilà. Euh, Seydou Bari, OK. Alucine Kamara, j'espère que vous allez bien. Ams Tiga Barry, bonsoir, évidemment. Amidou euh, Founig Kone, bonsoir. Samba Jara, bonsoir évidemment. Amara Kamara, bonsoir. Boubakar Cham, bonsoir. Partagez le live. Barry Tijan, bonsoir. Haja Hawa Diallo, bonsoir évidemment. Kadijatou Koubra Diallo, bonsoir évidemment. Euh, Aruna Djaja, qui dit visionnaire, bonsoir évidemment. Voilà. Mamadou Laminiba, aussi, vous avez mon salut. Pépé Habba, bonsoir. Voilà. Partagez le live au maximum. Dès qu'on attend un certain nombre de personnes, nous allons essayer. Mon pays va mal, va mal, va mal. <laughs> voilà, voilà. On attend juste un peu encore. Un petit 350. Montez encore. Un petit 350, on va commencer à parler du discours du colonel. C'est quand même le discours du colonel que nous allons décortiquer. Et s'il y a lieu de framponner, nous allons framponner, comme vous le savez. Voilà. Donc, euh, partagez au maximum. Euh, voilà. Allez-y, montez, 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 montez. Fatimba, comment vas-tu? Voilà. Mesdames et Messieurs, nous allons rapidement entamer euh, cette vidéo, cette nouvelle vidéo. Voilà. Je dépose d'abord euh, mon jean Alors, chers frères, écoutez, on va pas perdre le temps. On va aller pas à pas. Et euh, vous allez comprendre les choses. Vous allez comprendre les choses. Voilà. Je vais mettre le volume quand même. On va décortiquer rapidement, rapidement. Alors, chers frères. Comme vous savez, et comme chaque soir, nous essayons au maximum de faire du bien. Voilà. Chaque jour, on essaie de s'améliorer. Dans notre travail de, <laughs> es devenu notre journal à la place de la RTG. Dans notre travail de sensibilisation et d'éveil de conscience, nous essayons de, de nous améliorer afin d'apporter notre grain de sel à la construction de l'édifice guinéen. Comme vous le savez, encore c'est avec votre visionnaire, vous allez partager ces quelques minutes. Hier, j'ai parlé, de cette assise nationale et j'ai interpellé euh, euh, le ministre de l'administration euh, 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 et de la décentralisation ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à l'occurrence monsieur euh, Mori condé euh, Et aujourd'hui, vous savez, c'était le lancement évidemment de de cette assise nationale. Et, euh, le colonel Mamadi Djoumouya euh, a tenu un discours euh, voilà, à l'ouverture de, 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 de ces travaux, c'était au palais Mohamed V. Il y avait des invités, bien évidemment. Nous avons vu euh, le maire de, de Matam, Monsieur Ismaël Condé, moi-même mon frère. Nous avons aussi vu euh, Monsieur Makandera. Nous avons vu aussi euh, tant de personnes. Et euh, voilà, nous allons. Euh, allez pas à pas avec le discours du colonel Mamadi Doumbouya. voilà alors chers frères, vous allez prêter euh, vous allez prêter attention le discours du colonel Mamadi Doumbouya, je l'ai lu et rélu. et j'ai compris le discours c'est un discours c'est un discours somptueux je parle du discours en tant que tel. Le discours lui-même. C'est un discours somptueux, c'est un discours euh, rationnel, c'est un discours euh, rassembleur, c'est un discours séduisant, c'est un discours euh, costaud, c'est un discours euh, euh, qu'on peut admirer, c'est un discours bon, c'est un discours nationaliste. Le discours en tant que tel. Je parle du discours. Maintenant, vous savez, nous avons coutume de dire que si les beaux discours pouvaient construire une nation, la Guinée ferait partie aujourd'hui de ces nations les plus ornées du monde entier. La Guinée ferait partie de ces nations aujourd'hui, euh, euh, les nations euh, qui font rêver. Parce que du temps d'Ahmed Touré jusqu'à nos jours, on a, te, on a tellement tenu des bons discours. On a tellement tenu des discours et des discours. On a tellement fait de discours, euh, euh, séduisants que on ne peut même pas compter. Il y en a trop. Mais est-ce que ça suffit? Non. Il y a le verbe, il y a la réalité. Il y a le verbe, il y a le travail. Il y a le, il y a le verbe, il y a le terrain. Et le verbe n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Colonel Mamadi Dumbuya, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous savez, j'ai un big respect pour ce colonel, pour son courage et pour son patriotisme. Colonel Mamadi Dumbuya, je vous dis que si j'étais un conseiller spécial pour vous, si j'étais quelqu'un que vous écoutiez de long en large, si j'étais la personne la mieux placée pour vous parler, bouche à oreille, face à face, si j'étais celui que vous devrez écouter, je vous dirais tout simplement que ces assises nationales n'avaient pas raison d'exister. Parce que vous avez parlé du passé de la Guinée aujourd'hui, de ce que la Guinée a enduré comme souffrance, de ce qui s'est abattu sur la Guinée, de ce que l'élite guinéenne a fait au peuple de Guinée, de ce que le système ou les systèmes qui se sont succédés à la tête de l'État ont fait au peuple de Guinée, des abus du pouvoir, des trafics d'influence. N'est-ce pas? De, du sous-développement, de la division, de la malgouvernance, de la pauvreté. Vous avez fait allusion à tous ces problèmes dont souffre la Guinée. Et vous pensez que, qu en faisant cette assise ou ces assises nationales, que vous allez pouvoir remédier à quelque chose par rapport à tous ces maux dont la Guinée souffre. Consciencieusement, colonel, sincèrement, honnêtement, vous pensez que ça peut apporter quelque chose de nouveau à la Guinée Entre nous, colonel Mamadi Djumbouya, vous pensez honnêtement que ces assises nationales peuvent régler ces problèmes de la Guinée Je vous dis non. Je vous dis non et je vous dis que vous vous trompez de longtemps large. Vous vous trompez complètement de longtemps large. Ces assises nationales n'apporteront absolument rien au problème guinéen. Je vais vous dire le pourquoi, colonel Mamadi Doumbouya. En faisant ces assises nationales, vous perdez le temps. Je sais que vous n'allez pas vous arrêter sur ces assises nationales. Je sais que pour moi, ce n'est que fait divers de cette transition. Pour moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour moi, sincèrement, moi, je pense que c'est de la manipulation. Je sais certainement que vous avez été conseillé pour ce programme des assises nationales. Mais pour moi, ceux qui vous ont conseillé, non seulement ils vous ont manipulé, mais aussi ils veulent manipuler le peuple. C'est de la manipulation pure et dure et simple. Colonel Mamadi Doumbouya, vous savez, je vais vous dire la vérité, mon cher frère, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, je vais vous dire la vérité. Socialement, la Guinée n'est pas divisée. Socialement. Culturellement, la Guinée n'est pas divisée, colonel Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas une division sociale. Il n'y a pas un fait social qui est venu diviser les Guinéens socialement. Il n'y a pas un fait culturel qui est, devenu, qui est venu diviser les Guinéens culturellement et socialement. Non. Il n'y a pas un fait ethnique, un fait tribal, un fait régional qui est venu diviser les Guinéens socialement. Non, Colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je vous dis que vous vous trompez de longtemps, large, en, parler, en parlant de cette assise nationale. Colonel, vous savez, ce qui divise les Guinéens, ce... C'est-à-dire, il y a une seule et unique chose qui divise les Guinéens. La seule chose qui divise les Guinéens, c'est la politique. C'est la politique. Et ce n'est pas la politique politicienne qui divise les Guinéens, non. Ce n'est pas la politique politicienne. C'est la politique administrative mal faite qui divise les Guinéens. La politique de l'administration qui divise les Guinéens. La politique du mauvais partage, c'est ce qui divise les Guinéens. Ce n'est pas la politique politicienne, c'est-à-dire la politique des acteurs politiques, ce n'est pas ce qui divise les Guinéens, mais la politique administrative, la politique dans l'administration, la politique gouvernementale, c'est cette politique qui divise les Guinéens. Ça, c'est un premier point. La souffrance dont les Guinéens ont été victimes et les Guinéens continuent à être victimes, cette souffrance n'est pas due aux activités des acteurs politiques. Cette division, cette souffrance est due à la politique administrative, encore une fois. Cette souffrance est due aux activités malsaines des gouvernants envers les gouvernés. Colonel Mamadi Doumbouya, entre peuples, entre Guinéens, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est la tête. Le problème, c'est l'administration guinéenne. Le problème, c'est le mauvais partage. Vous savez pourquoi le mauvais partage, colonel Quand vous organisez des élections, parce que tout le problème guinéen, c'est là, chers frères, nous allons aller... Très loin, nous allons revenir. Tout le problème guinéen, c'est là. Nous allons appeler tous les plus grands imams, tous les plus grands religieux, tous les plus grands pasteurs de la, du monde entier. Nous allons appeler tous les plus grands dirigeants du monde entier. Le problème guinéen, c'est un problème purement politique. Ce n'est pas un problème social, C'est pas un problème culturel. Ce n'est pas un problème outre, c'est un problème politique politique administrative. C'est ça, c'est simple que ça, mon colonel. Vous savez, quand on organise les élections, comme moi-même j'ai eu à dire par le passé, dans un passé récent, j'ai dit qu'en Afrique, ce n'est pas les élections qui donnent le pouvoir. Le pouvoir se donne par négociation en Afrique, et très particulièrement en Guinée. Évidemment quand on organise les élections dans un pays et qu'on partage on partage très mal le vote du peuple qu'on déclare quelqu'un vainqueur qui ne l'est pas et qui malgré le vol n'a pas aussi les compétences requises pour répondre aux aspirations et aux attentes du peuple ça crée du scandale. Ça crée de la souffrance. Ça crée de la frustration. Et de frustration en frustration, de frustration en frustration, nous, effectivement, nous allons tout droit dans ce que moi j'appelle la division. Parce que ceux qui seront à la tête de l'État, ceux qui vont gérer l'administration, ceux qui auront les mains dans les affaires, ceux qui auront les mains dans l'argent de la République, ils vont penser seulement qu'à leurs parents. Et les autres qui n'ont pas la capacité, les autres qui ne sont pas là, ils vont se sentir lésés, trahis, marginalisés. Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer la division vient de là. Aujourd'hui, colonel Mamadi Doumbouya, on vous reproche d'avoir travaillé avec en grande partie vos parents, les personnes issues de votre ethnie. On dit que les postes stratégiques de votre administration sont occupés, sont occupés du moins par les personnes issues du même ethnie que vous, colonel Mamadi Doumbouya. Voyez-vous, c'est la même chose qui était là, sous le régime d'Alpha Condé. Donc, la souffrance guinéenne, la division de la République de Guinée, la division de la nation guinéenne ne tire pas sa source, ne tire pas sa source dans le fleuve, effectivement, des acteurs, des acteurs politiques. Non. Je refuse de croire cela. Et je vais vous dire, colonel. Même si vous faites 10 ans à la tête de l'État, en parlant d'assises nationales, en parlant de réconciliation, si le problème politique n'est pas réglé en République de Guinée, tout ce que vous allez faire dans ce sens d'assises nationales ne portera pas fruit. Et vous passerez effectivement pour un comique, pour un ridicule. Ce travail ne portera pas fruit. Battez-vous pour régler la question politique de la Guinée. La question politique de la République de Guinée est réglée. Ça va régler la question sociale. Ça va régler la question culturelle. Ça va régler tout ce qui est lié maintenant à l'administration. Mais en tant que la question politique n'est pas réglée, vous n'allez jamais pouvoir régler un autre problème de la République de Guinée, colonel. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes en train de perdre du temps. C'est une perte de temps énorme. Et si vous investissez effectivement, si vous injectez de l'argent dans cette affaire d'assises nationales, l'argent sera complètement gaspillé pour rien. La seule chose que vous pouvez faire, colonel Mamadi Doumbouya, si vous voulez effectivement réconcilier les Guinéens. Si moi j'ai compris parfaitement le contenu de votre discours, j'ai lu de longtemps large, j'ai compris. La quintessence de votre discours d'ouverture, c'est-à-dire l'essentiel de votre discours d'ouverture, c'est comment créer l'entente entre les Guinéens, comment créer, comment unifier le peuple de Guinée. Moi je vous dis, pour unifier le peuple de Guinée, Battez-vous pour régler la question politique. Dès que la question politique sera réglée, c'est fini. Colonel Mamadi Doumbouya, vous dites que les Guinéens doivent s'écouter. Vous dites que les Guinéens doivent se regarder dans les yeux. Vous dites que les Guinéens doivent entrer et sortir ensemble. Moi, je vous pose une seule question. Vous êtes aujourd'hui le phare de la République de Guinée. Vous êtes aujourd'hui le premier responsable de la République de Guinée. C'est vous qui êtes censé donner l'exemple. Je vous pose une question, colonel. Colonel Mamadi Doumbouya, sur la question politique, la question majeure de la République de Guinée, êtes-vous prêt... À entrer et à sortir en harmonie avec les acteurs politiques Êtes-vous prêt à écouter les acteurs politiques Êtes-vous prêt à recevoir les acteurs politiques à corps ouvert Êtes-vous prêt à travailler dans l'harmonie avec les acteurs politiques Parce que le problème Guinée, c'est un problème purement politique. Et vous, vous êtes censé donner l'exemple. Si vous parlez d'assises nationales, les, gens que, les, gens, les émissaires que vous allez envoyer, les préfets, les sous-préfets, les ministres, les directeurs que vous allez envoyer devant le peuple, eux, ils ne représentent absolument rien. C'est vous. C'est vous qui êtes censé donner l'exemple. Et je vais vous dire, colonel, ne perdez pas le temps avec les ministres, avec les préfets, les sous-préfets, les maires les chefs de quartier ne perdent pas le temps avec eux pour régler la question sociale en Guinée, pour créer l'entente entre les Guinéens, pour créer l'harmonie entre les Guinéens, pour unifier la nation guinéenne, colonel Mamadi Doumouya, vous savez bien que moi, qu'à partir du moment où vous... Je ne parle pas du gouvernement, mais je parle de vous en tant que président de la transition. À partir du moment où vous-même, vous allez conjuguer le même verbe avec Sidi Touré, vous allez conjuguer le même verbe avec Selouda Lenjalo, vous allez conjuguer le même verbe avec Lansana Kouyaté, vous allez conjuguer le même verbe avec Mamadou Sila, vous allez conjuguer le même verbe avec Baouri, vous allez entrer ensemble, sortir ensemble, vous allez travailler dans l'harmonie, c'est-à-dire. À partir du moment où il n'y aura pas d'intermédiaire entre vous, colonel Mamadi Doumbouya, et ses acteurs majeurs de la scène politique guinéenne, c'est-à-dire que si Diatoué vous écrit, vous le répondez, si vous êtes vous, vous êtes libre, la, celle où, où Dalen Jalo vous écrit, vous le répondez sans intermédiaire. Sans hésitation, sans arrière-pensée, à partir du moment où vous communiquerez avec ces acteurs politiques, vous serez l'exemple. Oui, vous serez l'exemple. À partir du moment où il n'y a pas de protocole entre vous, entre vous, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, et les acteurs politiques, vous avez, c'est-à-dire, à partir du moment où vous allez faire cela, vous allez réussir à faire cela. Vous allez faire un saut, un très grand saut. Et vous allez donner l'exemple. Vous serez l'exemple à suivre. Et vous savez, vous n'aurez même pas besoin d'envoyer le ministre de l'administration de la décentralisation devant le peuple. Vous n'aurez même pas besoin de demander au préfet d'organiser des assises nationales. Vous n'aurez même pas besoin de demander au sous-préfet d'organiser des assises nationales. Vous n'aurez même pas besoin de faire appel au maire. Vous n'aurez pas besoin de faire appel au chef de quartier. Vous savez pourquoi Je vais vous donner. C'est une leçon que je vous donne, gratuite, colonel. C'est Diallo, C'est l'homme le plus écouté de la République de Guinée. Est loup est écouté si, si, si je peux même me permettre colonel est loup est plus écouté que vous-même le colonel vous savez pourquoi je ne vous sous-estime pas vous savez pourquoi est loup est à la tête du plus grand parti de la République de Guinée les militants sympathisants de Célou Dialinghialo ils sont les plus nombreux parmi tous les militants sympathisants des acteurs politiques de la République de Guinée il suffit que Celou Diallo s'arrête devant ses militants sympathisants. Il suffit que Celou Diallo soit convaincu et que Celou Diallo soit en bon rapport avec lui. Il suffit que Celou Diallo fasse une tournée, simplement une tournée à l'intérieur du pays, qu'on a créé la kankan, Kouroussa, qu'il revienne en Guinée avec un seul mot, un seul mot. Le pardon, acceptons-nous. C'est-à-dire le pardon, acceptons-nous. Que ce fasse seulement cette petite tournée à l'intérieur du pays et qu'il revienne à Conakry. Que ceux loup sorte de cette, cette phrase de sa bouche. Colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes fait. Vous n'avez pas besoin de réconciliation maintenant. La réconciliation, elle est faite. Il suffit seulement que... Selou Diallo s'arrête devant son peuple pour dire Je suis avec mon fils, colonel Mamadi Doumbouya. Nous allons unifier le peuple. Ensemble, peuple de Guinée, conjuguons le même verbe. Que Selou descende avec son slogan à l'intérieur du pays. Que Sidi a fait la même chose. Que Lansana Kouate fasse la même chose. Que. Euh, Bahouri fasse la même chose, que Mamadou Sila fasse la même chose, colonel, vous n'avez pas besoin de faire la propagande. Non, restez tranquille au palais, mon médecin et mon médecin. Restez tranquille, vous êtes fait. C'est fini, vous êtes fait, colonel. Vous n'avez pas besoin, c'est fait. <laughs> votre... C'est-à-dire, votre harmonie est créée naturellement par un génie. C'est fini. C'est Lou, Lansana Kouyati, docteur Ousmane Kaba, qu'ils se prennent la main avec M. Sidiatouri, avec Mamadou Silla, avec M. Baouri, qu'ils se prennent la main ensemble, qu'ils descendent à l'intérieur du pays, qu'ils disent aux Guinéens Pardonnons, tournons la page. Pardonnons, tournons la page. Il n'y a plus de problème de Peul, Soussou, Malinke, nous sommes ensemble. Nous qui vous représentons. Nous que vous, le peuple, vous écoutez, nous que vous, le peuple, vous suivez, nous nous disons, créons l'harmonie, travaillons la main dans la main. Nous sommes dans la même assiette que le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà le, colonel, le message du colonel Mamadi Doumbouya. Et nous, nous ajoutons cela, ce message-là. Nous disons, ça va, tournons la page. Nous sommes guidés. Mais colonel, vous êtes fait. <laughs> vous êtes fait, c'est fini. C'est fini, colonel. C'est pourquoi, si je me dis souvent que si moi j'étais votre propre conseiller, si moi, Fama Kanté, j'étais votre propre conseiller colonel, là-bas, auprès de vous, là, et que vous aviez le courage de m'écouter et d'appliquer ce que moi je dis, on ne serait pas là aujourd'hui. Non, colonel, on ne serait pas là. Vous n'aurez même pas besoin de demander au ministre de l'Administration du Territoire de, de parler, d'organiser la Nationale, on ne serait pas là. Moi, je vous donnerai naturellement la clé. Je vous dis, colonel, écoutez, faites pas la politique. Vous êtes militaire. Non, <laughs> faites pas la politique. Non. Laissez-moi gérer cela. Et acceptez tout simplement mon offre et mon conseil. J'appelle Selou j'appelle Sidia. J'appelle Lansana Kouyaté. J'appelle, même si, parce que je serai, effectivement, je serai là pour la création d'harmonie. J'appelle même Kasuri Fofana, qui est aujourd'hui représentant, représentant et intérimaire de RPG Arc-en-Ciel. J'appelle tous ces gens-là, tous ces grands acteurs politiques-là. Je les appelle. Les Aliouba, les Makanera, je les appelle tous. Je dis, écoutez, les gars, écoutez très bien. Le colonel, il est là. On veut travailler dans l'harmonie, la main dans la main maintenant. OK On n'a pas besoin de consulter même le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Non, il faut qu'on crée l'entente. Le colonel est là. Il faut que vous conjuguez le même verbe avec le colonel. Écoutez, s'il vous plaît, le colonel, il est à votre disposition, matin, midi, soir. Appelez-le quand vous voulez. Faites-lui des propositions. Mais, faites une tournée. Dites que vous êtes avec le colonel. Dites que vous êtes avec lui. Et en disant que vous êtes avec lui, dans la pratique aussi, vous êtes avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que vous êtes avec lui. Dans la pratique, vous êtes avec lui. Appelez-le à tout moment. S'il n'est pas occupé par des activités en tant que président, il va vous répondre. Laissez-le le message, il va vous répondre. C'est ce que moi j'appelle l'entente. C'est ce que moi j'appelle donner l'exemple. Et vous imaginez un lance Kouyaté, un Kassori Fofana, avec un, un, un Sidi et un dans la ville de Cancan, qui conjuguent le même verbe. Qu'est-ce qui est plus joli que ça Qu'est-ce qui est plus conciliant et réconciliant que ça Vous imaginez ces mêmes gens à l'abbé, ces mêmes gens à, 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 en Guinée forestière, accompagnés d'un Faya Mirimoro, accompagnés de, de quelques acteurs de l'ANAD la, de, de en Guinée forestière Qu'est-ce qui est plus conciliant et réconciliant que ça Qu'est-ce qui est plus joli que ça Est-ce qu'on a besoin de consulter même les préfets pour ça Non Tout ce qu'on dira seulement, on dit « bon, à tel préfet, bon, il faut organiser, effectivement, euh, il y a les acteurs qui viendront euh, à, à Zéré-Couré, il faut organiser leur sécurité, ils viennent pour passer le message, euh, effectivement, de la nation. » Mais c'est fini, colonel. C'est fini. Et après, si on veut faire la justice, qu'on fasse la justice maintenant, que ceux qui ont commis des crimes effectivement aillent en prison. C'est tout. Mais, colonel, vous ne pouvez pas parler d'assises nationales pour la réconciliation, pour l'unification de la nation guinéenne. Au fond de moi, je me dis, est-ce que ça va entre vous et les acteurs politiques parce il y a ce que vous, vous voulez. Il y a ce que vous, vous passez. Vous voulez passer comme message. Et il y a ce que les acteurs politiques disent à leurs militants sympathisants. Alors, entre ce que vous, vous dites et ce que vous voulez, et ce que les acteurs politiques disent à leurs militants à leur siège, les militants qui constituent le peuple, qui est écouté? Vous faites un travail pour qu'il y ait un fruit, ou bien vous faites un travail pour que les gens disent que oui, il a tenté. Si vous faites un travail pour qu'il y ait un fruit, je vous ai donné là la recette. Mais si vous voulez faire un travail pour que les gens parlent, ou pour que les gens disent oui, il a tenté, on n'a pas accepté, moi je, je dis tout simplement que c'est une perte de temps. Et je viens de vous donner les ingrédients, je, vous, je viens effectivement de vous donner les recettes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer l'harmonie entre les Guinéens Qu'est-ce qu'il faut faire C'est tout, colonel. Le ministre de l'administration, il va passer le message, ça ne passera pas. C'est six semaines, non Les assises nationales. Ça passera comme du vent. Et les Guinéens ne s'en souviendront même pas. Les Guinéens diront Ah, ça c'était de l'arnaque, c'était de la manipulation, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que ça a un fond même est-ce que ça a un sens C'est vous qui êtes censé donner l'exemple, colonel Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, ce n'est pas les sages le problème guinéen. Hein. Ce n'est pas les, les quatre coordinations de la République de Guinée. Non. Basse-côte, Haute-Guinée, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les imams. Hein. Ce n'est pas les archevêques, les, les pasteurs, non, ce n'est pas eux. Ne vous trompez pas, colonel. Et ne faites pas semblant surtout de ne pas connaître le véritable problème et la véritable solution. Le véritable problème, c'est les acteurs politiques. Avec vous. Je réitère encore, en tant que vous ne conjuguez pas le même verbe que les acteurs politiques, la division sera toujours là. Vous n'allez jamais réussir à unifier les Guinéens. Ceux qui, vont, ceux, qui, ceux qui vous font croire que oui, ça ira, il faut le faire, il faut le faire, les Guinéens, c'est des, des, des manipulateurs, ils sont en train de vous manipuler. Ils viendront vous faire des faux rapports, colonel, pour dire que les Guinéens ont compris. Les Guinéens n'ont absolument rien compris et les Guinéens ne comprendront jamais, colonel. Les Guinéens, ils viendront vous faire les faux rapports comme ils ont fait au temps d'Alpha Condé. Parce qu'on faisait des faux rapports à M. Alpha Condé. Et Alpha Condé se fiait à ces faux rapports-là. On viendra vous faire ces faux rapports. Des rapports de couré On allait faire du bon travail. Les sages sont venus, on a parlé. Vous pensez que c'est les sages qui sont écoutés en Guinée Ce n'est pas les sages qui sont écoutés en Guinée. Vous pensez que c'est les imams qui sont écoutés en Guinée Ce n'est pas les imams. Vous pensez que ce sont les Kuntigui des quatre régions naturelles qui sont écoutées Ce n'est pas les Kuntigui. Les contiques eux-mêmes, ils sont dans des partis politiques. Ils écoutent les présidents de ces partis politiques. Les sages eux-mêmes, ils sont dans des partis politiques. Les imams eux-mêmes, ils sont dans des partis politiques. Les religieux sont des partis politiques. Tout le monde, dans son cœur, a un parti politique. En tant que la question politique ne sera pas réglée, la Guinée ne fera pas de pas. La réconciliation. <laughs> L'assise nationale, ça n'aura pas de sens. Vous, colonel, vous, par... vous savez pourquoi je fais ce live et je m'adresse à vous C'est parce que je veux que vous réussissiez. Oui Je veux que vous réussissiez. Ce travail, ce n'est pas un travail que vous allez réussir en deux jours. Et vous savez, colonel, quand les acteurs politiques parlent même de la durée de la transition, vous savez, si vous conjuguez le même verbe avec les acteurs politiques, et qu'entre vous, par exemple, vous vous, êtes, vous vous étiez arrangé à dire que, bon, écoutez, euh, mes frères, sœurs, moi, je veux faire quatre ans à la tête de l'État, et puis je vais quitter, mais que vous discutiez en, comme ça entre vous, la date de la transition. Parce que qui a besoin de la date de la transition, par exemple Ce n'est pas l'imam dans la mosquée de Faïsad ou dans la grande mosquée de Zérekoure ou de Kankan. Ce n'est pas le Kuntigi de la bascotte ou de la moyenne Guinée ou de la haute Guinée ou de la Guinée forcière qui a besoin de la date de la transition. Non. Ce n'est pas M. Kanté qui a besoin de la date de la transition. Non. Ce n'est pas Founike Menge ou M. Sekoukunduno qui a besoin de la date de la transition. Non. Ce n'est pas Lamine Girassi, encore moins Aboubakar Diallo de FIM qui a besoin de la date de la transition. Ça l'emporte peu. Ce n'est pas le grand commerçant, euh, 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 M. Bobo qui a besoin de la date de la transition. Non. Ce n'est pas les ministres, Mohamed Beyavogui, le premier ministre ou euh, le ministre même de la décentralisation, M. Mouri Kondé, qui a besoin de la date de la transition. Non. La date de la transition, c'est vous, colonel Mamadi Doumbouya, et les acteurs politiques. Alors imaginez que vous conjuguiez le même verbe, que vous travailliez en harmonie et que vous aviez. Ou que vous, vous vous étiez vu, par exemple, à clos, et que vous même vous avez proposé, ou bien vous, votre, c'est-à-dire votre cercle restreint du CNRD, vous vous étiez vu, par exemple, dans l'ombre avec les acteurs politiques, et que vous aviez proposé une date pour les. Pour, ou une date, une durée pour la une durée de la transition à ces acteurs là. Et que vous vous étiez convenu par exemple. Mais on ne serait pas là, colonel. Voyez-vous, tout ça, ça dépend. Je pense que ça dépend quelque part de quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas en rond. Voyez-vous on vous dit non, restez là, restez sur votre position. Les acteurs politiques aussi restent sur leur position. On va à chaque fois évoquer des sujets pour les inquiéter parce que c'est des gens qui ont servi la République de Guinée. Ils ont des dossiers un peu sombres. On va faire ceci. À chaque fois qu'ils vont parler d'élection, on va arrêter un, on va l'envoyer devant la Cour de répression contre les infractions économiques et financières. Ben écoutez, ces gens-là, ils sont en train de vous tromper. Moi, je ne vous tromperai jamais et je ne vous mentirai jamais. Je vais vous critiquer avec objectivité et je vais, vous, je vais vous apporter des solutions, effectivement, pour que vous puissiez réussir, colonel. Et à chaque fois que je me rendrai compte que vous êtes en train de dériver, effectivement, il me reviendra alors de vous framponner avec intelligence, évidemment. Donc, colonel, je ne vais pas me répéter, même si la répétition est pédagogique, pour votre travail de titan que vous venez dans ta main, parce que je me dis que vous avez fait un faux départ dans la réconciliation des Guinéens, vous avez fait un faux départ. Ouais, le véritable départ était de travailler main dans la main avec les acteurs politiques. Parce que les émissaires que vous allez par exemple envoyer, parce que je me suis renseigné, on m'a dit non, c'est tout le monde qui est concerné, c'est une assise nationale beaucoup plus large, ça m'a beaucoup fait rire. On dit les acteurs politiques qui sont dedans, ceux-ci là sont dedans, ceux-ci là sont dedans. Les gens que vous allez envoyer devant les acteurs politiques là, ces gens là, ces émissaires là, ils ne représentent rien devant les acteurs politiques. Les acteurs politiques ont besoin de discuter avec vous-même, colonel Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, ils veulent discuter avec vous sans intermédiaire, sans protocole. Et c'est ce qui est nécessaire. Que vous soyez présent devant eux. Parce que le discours qui sort effectivement sur votre langue, c'est ce discours-là qui est clair. Mais vous envoyez des émissaires, il y a deux choses. Soit ils vont ajouter, soit ils vont diminuer en vous faisant le rapport. Mais si vous êtes face à face à huis clos avec les acteurs politiques, moi je me dis que voilà, on a gagné, la Guinée a gagné. Je me dis des fois que en Guinée, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Et ceux qui savent faire ce qu'il faut faire, on ne les écoute pas. Ou on ne les considère pas. Même si on les écoute, on n'applique pas. Et en tant qu'on n'écoute pas ceux qui savent faire et qu'on n'applique pas ce qu'il faut faire, on n'ira nulle part. On tournera toujours en rond comme un peuple inconscient. Et c'est ce qui est dommage pour nous. Parce que vous venez de faire un faux pas. Et personne, personne, je dis bien, personne ne vous a dit que vous venez de faire un faux pas. Vos conseillers n'ont pas vu cette partie-là. En vous disant, colonel, on veut faire une réconciliation guinéenne, une réconciliation nationale en Guinée, mais est-ce que c'est la bonne procédure Est-ce que c'est la bonne manière Ils vous ont juste dit ça sera beaucoup plus large, nous ne donnons pas une importance beaucoup plus particulière à ces acteurs politiques. C'est là, ils vous ont trompé. Ils devraient plutôt vous dire colonel, assise nationale, oui, c'est le peuple, mais et si on travaillait main dans la main avec les acteurs politiques. Que vous-même vous travaillez main dans la main avec les acteurs politiques. Le travail sera beaucoup plus subtil, beaucoup plus diplomatique et beaucoup plus conciliant. Beaucoup plus consistant. Et beaucoup plus euh, fructifiant aussi. Colonel, il faut nous écouter. Il faut parfois appliquer ce que nous, nous vous disons. Vous allez voir ce que ça va vous apporter comme fruit. Mais en tant que vous vous contentez de ces, de ces conseillers ou vous vous contentez de nous écouter et ne pas appliquer ce que nous vous disons ou ne pas vous inspirer de ce que nous vous disons, il y aura toujours des cris. Il y aura toujours de la frustration. Et ce que vous voulez comme fruit, comme résultat, vous n'aurez jamais cela. Et au fur et à mesure que le temps passe, les Guinéens diront, oh, c'est de l'espoir raté, on n'a pas ce qu'il pouvait, mais bon, il a été mal conseillé, oh, il n'y avait pas de bonnes personnes autour de lui. Tous ces gens qui étaient autour de lui, c'était des oui, oui, des non, non. Ils avalaient ce que le colonel peut-être proposait, ou ce qu'eux-mêmes, ils proposaient au colonel, c'était des propositions bidons, vides de sens, qui les arrangeaient, eux, mais qui n'arrangeaient. Ni le colonel, encore moins le peuple. Cher frères, c'était ce message que j'avais à passer. Et il n'est pas encore trop tard. Colonel, il n'est pas encore trop tard. Je viens de, de, de vous ouvrir le chemin. Il n'est pas encore trop tard. Parce que quoi que vous fassiez, en tant que la question politique n'est pas réglée, vous ne réussirez rien. Mais rien, rien. Vous ne réussirez à faire rien à la République de Guinée. Et vous allez tourner un rond. Sur ce, je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah. Espérons que le colonel comprenne, qu'il fasse ce qu'il doit faire, ce qui est utile pour le peuple. Et qu'il nous écoute, qu'il applique parfois c'est que nous le nous, nous promulguons comme conseil. C'est la Guinée qui gagne. Ce n'est pas Fama qui gagne. Ce n'est pas Colonel qui gagne. Ce n'est pas M. Selou qui gagne. Ce n'est pas M. Sidia qui gagne. Mais c'est la Guinée entière qui gagne. Comment voulez-vous réconcilier un peuple, des citoyens lambda, si vous qui composez l'élite, vous-même, vous, vous n'êtes pas concilié Posez-vous la question. Des gens qui veulent nous réconcilier, mais entre eux, ils ne sont pas réconciliés. Alors, vous voulez quelle réconciliation Des gens qui veulent créer l'harmonie entre les Guinéens, mais entre eux-mêmes, l'élite, il n'y a pas d'harmonie. Qui peut me dire qu'il y a l'harmonie entre la classe politique guinéenne et ceux qui sont à la tête de l'État Pourtant, ce sont des Guinéens. C'est eux qui sont censés donner l'exemple. Mais vous, vous ne donnez pas l'exemple. Comment voulez-vous que le peuple fasse ce que vous vous demandez C'est impossible. <laughs> c'est là où moi je vois. Et c'est pourquoi j'ai dit hier que c'est de la manipulation. Parce que le colonel est la référence aujourd'hui de la Guinée. Ce qu'il fait de positif, c'est ce que les Guinéens feront. Mais ce qu'il ne fait pas de positif, lui, il demande aux Guinéens de faire cela, mais ça ne passera pas. A demain, je vous aime. Merci beaucoup.